fait 9 mois environ, l'ONG Ayedun était déjà dans l'école pour apprendre aux apprenants les gestes utiles pour sauver notre environnement. Ils sont arrivés ce jour pour vérifier si ces gestes utiles qu'ils doivent faire pour sauver notre environnement est réellement mis en marche. Nous les hommes, nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, s'ils n'avaient pas des enfants, nous ne serons pas là ici aujourd'hui. Dans le même temps, nous sommes les associés de ceux qui vivent, nos parents que nous avons vus. Et en plus, la providence de ceux qui naîtront. Et la providence, c'est nos enfants. Quelle terre allons-nous laisser à nos enfants? Et quels enfants allons-nous laisser à notre terre? Je suis venue à la célébration, à la découverte, je dirais, de la moisson parce que d'abord nous sommes à une saison des lumières, comme on dit, en décembre, fin décembre et tout, nous sommes à une saison des lumières parce que nous recherchons les lumières dans les jours qui vont s'assombrir de plus en plus, les nuits qui vont se rallonger de plus en plus. On ne peut pas laisser les enfants dans un cadre comme ça et ne pas les amener à transformer leur cadre de vie, surtout que c'est des populations qui sont dans une zone plus ou moins humide. Et la problématique des zones humides, ça attire plus l'attention. Il faut semer en ces enfants les bonnes graines de développement durable, de protection de leur cadre de vie, surtout de salubrité de notre environnement. Ce que moi je vais demander aux enfants, c'est de faire tout ce que l'ONG Ayedun vous demande pour le développement de votre établissement, la propreté à la maison comme à l'école, pour votre santé et celle de toute la population de Hunjongji.